Bonjour les petits loulous. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était jeudi. Mais depuis, vendredi est passé et nous sommes samedi. Avant, dimanche. Alors, je vais prendre la petite pince et la mettre à samedi avec S A M E D I et en attaché S A M E D I. Nous allons regarder sur le calendrier où nous en étions la dernière fois. On était jeudi 19 mars. Je vais donc barrer jeudi qui est passé, vendredi 20 qui est passé. Aujourd'hui, nous sommes samedi 21 mars. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est le printemps. Oui, c'est la saison où la nature redonne toutes ses couleurs, où les oiseaux recommencent à chanter, où les insectes ressortent et nous amènent plein de jolis bruits dans la nature. On ira faire un petit tour dehors juste après. Mais d'abord, voyons la phrase en entier pour la date. Nous sommes donc samedi, mais non, le vilou. Ah oui, samedi, tu as raison. D'habitude, nous n'allons pas à l'école, mais ici, c'est une école un peu à la maison. Alors, on a le droit de le faire aussi le samedi. Samedi 21, 2 et 1. Mars, M-A-R-S. Donc, petit loup, tu as raison. Aujourd'hui, c'est bien samedi 21 mars. Mais, oh, les copains sont tous prêts pour te montrer la phrase qu'ils ont fabriquée aujourd'hui. Et quelle est cette phrase? Tu peux leur demander. Oh, ben oui, dites-moi, les copains, vous avez écrit trois phrases. Oui, moi j'ai fait une phrase en grandes lettres. C'est le printemps. Ah, tu as mis un point au bout pour montrer que c'est une phrase. Moi j'ai fait une phrase en lettres de livre, en scrap, en script. Qu'est-ce que tu racontes? On dit pas en scrap, en script. C'est le printemps. Bravo. Et moi, j'ai fait une phrase en attaché. C'est le printemps. Avec à chaque fois le point. Bravo. Et Barry, qu'est-ce que tu as fait toi? Moi? Mais je ne sais pas encore. Oh là là, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout mélangé. Il faut qu'on leur remette toutes les écritures ensemble. Tu pourras nous aider?